Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. D'abord les titres de ce journal. L'École nationale d'administration et de magistrature du Tchad est désormais un partenaire de l'École nationale d'administration du Gabon, partenariat qui va se concrétiser par l'entrée à l'ENA d'une dizaine d'étudiants tchadiens. Les détails dans ce journal. 36 ans jour pour jour que Steve Biko rendait l'âme dans sa cellule, partisan de la lutte anti-apartheid de l'époque que retient la mémoire collective, nous le verrons dans un instant. Et puis le Brésil 2014, désormais un rêve brisé pour les Panthères du Gabon. Dans ce journal, une réflexion des supporters sur l'avenir du coach, on le verra. Un accident de la circulation s'est produit mercredi soir aux environs de 18h à Libreville, à hauteur du carrefour Camp de Gaulle, occasionnant des dégâts matériels et des blessés parmi les occupants d'un des camions accidentés. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Sabrina Polo et Fred Ndongo. Aucune perte en vie humaine, de blessés graves et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit en début de soirée du mercredi, à quelques encablures de l'échangeur des charbonnages. À l'origine, le non-respect du code de la route par un conducteur de taxi qui a forcé un dépassement dangereux du camion dont le chauffeur a presque été surpris. Et en voulant éviter le pire, le conducteur du camion a vite fait le choix du côté où se trouvait, malheureusement, un autre camion stationné que ce dernier a violemment percuté, causant d'importants dégâts et des blessures graves aux deux occupants du camion en mouvement. Selon les témoignages, les blessés ont immédiatement été conduits dans une unité de soins. Cet énième accident de la route interpelle une fois de plus les automobilistes sur l'importance du respect des normes de conduite, mais aussi sur la nécessité de veiller sur l'état de son véhicule. Les ateliers de formation initiés par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, technique et professionnel dans le cadre de la réorganisation et l'harmonisation des curricula en approche par les compétences suivent leur cours à Libreville dans les différents établissements secondaires. Martial Tsonga et Justin Bitégué pour le point. S'inscrivant dans l'optique d'appréhender les réalités de l'approche par les compétences, ces inspecteurs délégués d'académie, enseignants du secondaire et ceux du supérieur suivent attentivement les enseignements. Nous avons traité de la formation professionnalisante sous quatre axes. Le premier, c'était la détection des talents. Donc dans l'arbre que le ministre nous présente sur la réforme du système scolaire, il est question de la détection des talents. Comment on va détecter ces personnes-là de manière à assurer une forme d'ascension sociale, mais aussi de reconnaître ces talents-là et de les soutenir dans leur développement. Ces travaux en atelier ont aussi pour but de faire innover le système éducatif au Gabon. Il a été posé des questions spécifiques et chaque atelier a été commis à une tâche spécifique pour qu'à la fin, il y ait un rapport produit. Et à partir de ce rapport, le gouvernement va prendre des décisions qui seront à soit mettre en place des infrastructures, soit essayer de travailler en partenariat avec les pays qui auront expérimenté tout ce qui a été présenté ici comme modèle, ainsi de suite. Réorganiser et harmoniser les curricula en APC et mettre en œuvre l'arbre architectural du système éducatif innovant est l'objectif que veut atteindre le gouvernement gabonais. Signature ce jour d'un partenariat entre l'École nationale d'administration du Gabon et l'École nationale d'administration et de magistrature du Tchad. Cette signature s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et N'Djamena pour le soutien à la formation. Ce partenariat prévoit l'arrivée d'une dizaine d'étudiants tchadiens en novembre prochain à Libreville. Regardez. C'est à l'issue d'un protocole d'accord signé entre Anatole Toukaka, directeur général de l'École nationale d'administration du Gabon, et Adoudou Abdoulaye, directeur général de l'École d'administration et des magistratures du Tchad, que seront désormais liés ces deux pays par la formation. Nous avons signé un partenariat qui va nous permettre désormais de travailler ensemble. Et plus particulièrement, ce partenariat va permettre le mois de novembre à une dizaine de Tchadiens d'effectuer le déplacement de Libreville. Donc 10 étudiants tchadiens vont venir faire leur formation à l'ENA de Libreville. Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre d'un partenariat Sud-Sud dont l'expertise du Gabon est sollicitée pour redresser l'administration de ce pays frère. Nous sommes ici pour un partenariat, c'est vrai. Et nous voulons également profiter de l'expertise de la fine fleur de l'élite administrative gabonaise que l'ENA, pour que les Tchadiens qui, à partir du mois de novembre, comme l'a dit M. Anatole,
viendront par faire leur connaissance à travers le PFMS MP2. Voilà. Après signature, une dizaine d'étudiants tchadiens est attendue dès novembre prochain pour lancer les bases d'un partenariat en vue du renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et N'Djamena. Les travaux du quatrième et dernier atelier sur le programme ACP Fiche 2 se sont achevés ce jeudi à Libreville. Plusieurs projets ont été traités et adoptés visant le développement du secteur des pêches en Afrique centrale. Muriel Ndoyen et Fred Ndongo. 32 projets réalisés et un en cours d'examen, c'est le résultat des travaux du quatrième et dernier atelier consacré à l'évaluation du projet ACP Fiche 2 qui aura duré 4 années et demie. Pour le coordonnateur représentant l'Union européenne, le bilan est positif. C'est un projet très ambitieux, on voit la fin, on voit sa fin et on part avec la sensation qu'on a fait ce qu'on nous demandait. C'est-à-dire tous les projets qui ont été exécutés par ce programme ont été demandés par les administrations des pêches. Satisfait des avancées enregistrées dans ce domaine au travers du projet ACP Fiche 2, pour la partie gabonaise, l'heure est désormais à l'application des nouveaux outils pour des résultats probants. Il est bon de recevoir des financements. Il est aussi temps que les pays qui reçoivent justement ces financements mettent réellement en application ce qu'ils reçoivent. Imaginez, pendant 4 ans et demi, on a fait des ateliers, des séminaires, on a organisé des formations pratiques pour les agents sur le terrain, pour les opérateurs économiques. Il faudrait que tout ce qui a été reçu comme connaissance soit mis en application sur le terrain. Sinon, on va être des éternels assistés. Outre le volet formation qui nécessite encore une réelle prise en compte par les politiques gouvernementales des États, les retombées de ce projet sont attendues dans les tout prochains mois pour déterminer leur impact dans le processus de développement du secteur des pêches tel que souhaité par chaque gouvernement. Il était une des grandes figures de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Stephen Bantu Biko, alias Steve Biko, 36 ans après sa disparition. Que peut-on retenir de lui? Martial Tsonga et Justin Bitégué ont rencontré pour vous le chargé des affaires politiques de l'ambassade sud-africaine. Steve Biko est une grande figure politique en Afrique du Sud. Il est mort en 1977, après avoir mené une lutte appelée la conscience noire. Son décès est célébré dans le contexte du mois de l'héritage en Afrique du Sud. Nous le considérons donc comme faisant partie de notre héritage qui nous aidera à relever les défis d'aujourd'hui, notamment l'injustice sociale. Défenseur de son voie et de laisser pour compte, Steve Biko a laissé un héritage qui pour beaucoup est une fierté. Nous avons appris que nous devons toujours poursuivre ce qui est bien. Nos différences ne doivent pas nous diviser, mais au contraire, elles doivent nous rassembler. En créant l'Organisation des étudiants sud-africains, il a permis aux gens ordinaires de s'exprimer. Attentif à la pensée de Gandhi et de Martin Luther King, Biko employait des techniques de non-violence, mais davantage en tant que moyen stratégique moins efficace de lutte face à l'appareil répressif de l'État ségrégationniste que par conviction pacifiste. Il ne voulait ni majorité ni minorité dans son pays. Il voulait juste qu'il ait des citoyens ayant le même statut devant la loi, qui pour lui serait une société égale non-raciale. Je vous le disais en titre, la récente défaite des Panthères du Gabon, 0 contre 1 face aux étalons du Burkina, n'a pas permis à l'équipe nationale de se qualifier pour le Brésil 2014. Un échec de plus qui divise les supporters sur la responsabilité du coach Paulo Duarte. Nos reporters se sont donc fait l'écho des Gabonais sur cette question qui fait débat. Regardez. Après la grosse déception causée par le rendez-vous manqué des Panthères du Gabon le week-end dernier, comptant pour le Mondial 2014, l'heure est désormais à l'analyse de la situation autour du sort réservé aux sélectionneurs nationaux. Une réflexion qui intervient au regard de multiples échecs enregistrés par l'équipe nationale sous la conduite de Paulo Duarte. Depuis que Pablo est arrivé, rien ne marche. Vous êtes là, vous voyez vous-même comment l'équipe nationale fonctionne. Donc vraiment, ça fait mal. Moi, à mon avis, je suis clair là-dessus. Si c'est moi, j'attire l'attention du président de la République et l'attention du ministre des Sports et il doit libérer. Il a beaucoup fait pour le Gabon. Moi, dans ma conception, je pense que Duarte
c'est quelqu'un quand même que je veux aussi l'incriminer en un mot. Par rapport à ce qu'il a fait, mais concrètement, dans mon âme et conscience, je pense que vaut mieux qu'il démissionne. Au-delà de ces réactions hostiles, il convient de souligner que certains supporters de football gabonais continuent malgré tout de soutenir l'action de l'entraîneur des Panthères. Moi, Duarte, je l'ai toujours aimé et puis il fait partie un peu de mes idoles, quoi. Je trouve que, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un manque d'entraînement, ce qui concerne ses touches de balle. Mais pour moi, je dirais que je le supporte toujours, je veux qu'il reste. Critiqué par les uns, supporté par les autres, Paolo Duarte doit faire l'inventaire de son bilan après seulement un an à la tête des Panthères pour espérer se qualifier lors de la phase finale de la CAN prochaine. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information continue tout de même sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.